compagnie, c'est d'être un lien direct entre producteurs et consommateurs. Depuis 3 ans maintenant, les Frères de la Côte travaillent à l'importation de rhum, café, chocolat. Donc aujourd'hui, on a une livraison de rhum depuis la Hollande, où le 13 Sombrès a débarqué. Et donc les Frères de la Côte, la partie française, vient de se faire livrer. Moi, je m'occupe de la distribution des produits ramenés par ce voilier en France. Mais en tant que capitaine, je ramène aussi quelques tonneaux qui vont être embouteillés chez moi à Saint-Étienne et qui vont être distribués uniquement en France. Ouais, c'est un métier passion, ouais, dans le sens, c'est un projet écologique avec un sens au truc. Donc ouais, c'est un métier passion. On essaye de faire les choses bien, en fait, comme elles devraient être faites. Qui est pour l'instant juste une coque en acier. Et on est donc dans la soute à cargo qui va faire plus de 3 mètres de haut, qui nous permettra de stocker 150 mètres cubes de marchandises. Le bateau était un bateau à moteur, il avait besoin de 2 grands réservoirs et on va tout simplement les enlever et recycler le métal. On essaye de construire ce bateau en un an, en 2020. On peut se passer de moteur si on a des voiles efficaces et rapide à mettre en œuvre. Et on s'inspire du passé parce que dans le passé, on savait utiliser le vent, tout simplement. On est en train de travailler sur une machine qui va déplacer 120 tonnes et qui va utiliser en fait de l'énergie libre. L'énergie libre est gratuite. Really amazing in this time. Nobody talks about it, nobody thinks about it, I must say. Some people talk about it, some people dream about it. And we will create something which is a sailing cargo vessel and meets the standards of this time. So that is very important to me. I believe in sailing cargo in the future. It's fine. We are talking about that for months now. Yeah, it's so we need to come to it's the finest part. On peut enlever plus de 1 000 tonnes par morceau avec la grue, si vous voulez.